bienvenue à Nantes pour Bouge ton été. Ici, il y a plein d'activités géniales. Allez, suivez-moi. Pensez-vous de Bouge ton été ? Eh bien, je trouve que c'est une très belle manifestation. Il y a quasiment 500 enfants et jeunes cet après-midi, en plus sous le soleil. C'est important que chacun puisse faire des activités, soit qu'on découvre, soit qu'on ne connaît pas forcément, ou tout simplement qu'on apprécie de faire. Et puis j'ai rencontré en plus là à l'instant deux jeunes qui ont proposé spontanément d'être bénévoles, de donner un coup de main. Je trouve que c'est un joli signe. C'est une manifestation sportive et culturelle pour les jeunes de Nantes. Voilà, tout le monde peut venir pratiquer des activités sportives, il y a plein de choses proposées. Et puis aussi faire de la musique, de la danse, voilà. Je suis avec Stéphane, le directeur des activités sportives et qui coordonne les activités de Bouge ton été. Pourquoi challenge féminin ici à Bouge ton été ? Alors donc Bouge ton été existe depuis maintenant 9 ans et on s'est aperçu dans la fréquentation que les filles fréquentaient moins l'activité, qu'elles étaient moins présentes. Donc on a voulu, mettre en avant la pratique sportive féminine et donc du coup favoriser l'accès aux activités sportives pour les filles. Donc elles ont un petit bandana et elles ont un accès privilégié, accéléré à toutes les activités. Donc elles peuvent vraiment aller sur toutes les activités, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Yeah. Vinci. Ox Pocus. Yeah, écoute Cross. La clique réunie. 2001. Yeah, 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 yeah. Le but ici c'est que les têtes remuent. De Nantes dans le tramway jusqu'à Paris dans le tromé. Qu'on voit bouger les kiffeurs techno. Que les rockers suivent dans leur perfecto. Et que les hommes d'affaires dans leur starco se mettent à breaker. Que les vieux zappent la chanson chanson. Qu'ils sortent dans la rue et qu'ils dansent en chaussons. Ton chien aboie et que ton chat miaule. Que Jackie pousse le son dans sa bagnole. Pour ça on a la recette et tous les ingrédients. Un MC, garde DJ, un peu feignant. Avec ça on a le groupe, basse, clavier, guitare. Un beat fat, Vinci, maintenant tu sais qui te parle. Je m'en tape que t'es les dernières sap fashion. Je m'en tape que t'écoutes jamais de rap dans ta chaîne. Ce que je veux c'est que tu sois là et que ça sente. Ce que je veux c'est que tu sois là et que ça saute. Keep it moving, keep on. Everybody make noise, everybody come on. Keep it moving. Est-ce important d'organiser un challenge féminin au cœur de cet événement ? Oui, c'est important parce que d'abord, le sport, c'est pour les filles et pour les garçons. Ça, c'est toujours important de le dire. Et puis que quand on fait du sport, on apprend plein de choses. On apprend les règles du jeu collectif, on apprend à respecter les autres, on apprend à se dépasser. Et puis en même temps, on se jette des petits défis. Et puis à Nantes, comme partout, il y a des gens qui ont la chance de partir en vacances, d'autres pas. Donc ces moments-là, ils sont aussi faits pour tout le monde. Pratiquez-vous le sport ? Du sport ? J'ai pas beaucoup de temps, mais un petit peu. Avant, je faisais du basket et maintenant, je fais de la natation un petit peu. D'accord. Et toi, tu pratiques le sport ? Non. Non ? Superstitious writings on the wall.
c'est la fin du reportage sur Boost en été. C'était ma première fois avec Media Pichoun. Est-ce que vous pensez que je mérite le petit short? Ouais, ouais, allez, ça. Merci. Trop cool.